qui aiment mieux l'été. Après ça, 22 % des gens qui aiment l'hiver. OK. 17 % qui aiment le printemps. Ah oui? 18 % qui aiment L'hiver, c'est en quatrième. L'hiver, c'est en quatrième? Oui. L'été, le printemps, à 22, l'automne, à 17, puis à 8. J'ai bien la mémoire pour les chiffres. Ouais. J'ai vu ça, moi. On peut aller, on peut aller la rue en arrière puis revenir ici. Moi, je trouve qu'il est bien. Ouais, je trouve qu'il est parfait. Je suis bien, mais c'est, tu sais, je veux dire, Cibolac, c'est comme, Ah, il est quand même mannequin, là. Ouais. Qui est tu sais, je veux dire, mince, comme ça, là. Montrer qu'il est. Ouais. Puis imaginez à cette grandeur 6 puis grandeur 4. Ça, c'est un 8. Ouais. Pour les enfants. Ah, presque. C'est pour les adolescentes. Adolescentes de 12 ans, 14 ans. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y en a de moins en moins, là, des petits, là. Oui, oui. Donc, même les jeunes commencent à prendre du poids. Aïe, moi, j'ai pas des petites filles que je connais depuis qu'ils sont jeunes. OK. Il y en a une, je pense qu'elle pèse plus que moi, là. Aïe, ah, oui? Le ciel est rose. Puis à quel âge? À 14 ans? À 12. À 12? À 12, ben elle ferait un beau mannequin. Ça, ah oui? À quelle grandeur environ? Ouais, presque de ma grandeur. Ah oui? Il y en a une plus petite, les cheveux longs juste ici, rousses. OK. Elle est vraiment jolie. Mince, elle pourrait prendre du plus petit. OK. Quel poids environ? Je sais pas, 110, la petite. OK. Et l'autre en 20, 110. OK. Ah, oh, ben peut-être éventuellement, c'est une bonne amie à vous ou quoi? C'est votre voisine ou... Oui, oui. OK. C'est des proches. OK, ben vous la... Ah, OK, ben vous l'amènerez. La prochaine fois, si je vais chez vous là-bas dans votre coin, dans votre secteur, bon. Ben c'est ça. Pourquoi c'est juste sur eBay, là, tu m'as dit? eBay puis Amazon. Puis éventuellement sur Pricemaster, qui est un site français, l'équivalent d'eBay. Okay. Puis il y a aussi Etsy. Je ne sais pas, Etsy, si vous connaissez, c'est quoi? C'est E-T-S-Y. Enlevez les notes pour voir. Ouais. C'est l'équivalent un peu de eBay, mais c'est plus petit, là. Puis combien de sources de maille? Présentement, en bas, je dois en avoir une bonne centaine dans le sous-sol. Ah, oui. Puis j'en ai encore une autre centaine qui s'en viennent. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vous aimez beaucoup couleur noire, hein? Ah, ouais, mais ces couleurs-là, j'aime ça, par exemple. Mais qu'est-ce que tout fit avec le noir, là? Ouais, hein? J'ai vraiment envie, mais vous pensez que c'était des grosses affaires. J'avais hâte de voir. Vous pensez que c'était vraiment. Non, mais comme j'ai dit, je vais avoir l'air folle là-dedans, c'est ça. Parce que les sauts, il y a pas parfois de travail. Oh, ouais. Okay, on peut aller. Là? Oh, oui, par là, puis on va revenir par là. OK. Fait que là, moi, je fais juste un marchement. C'est ça. C'est ça, puis je vous filme, puis c'est ça. Puis moi, je vais finir par en sortir les photos. Okay. Comme ça, ces tissus-là, ça, c'est même pas du 200 deniers. Ça, on parle de peut-être environ 150 deniers. Okay. Puis l'isolation... Deniers, ça veut dire C'est l'épaisseur du fil de nylon. Puis l'isolation, ça, c'est à peu près l'équivalent de peut-être du 2 onces ou 3 onces. Ah. Ouais, ça veut dire à peu près l'équivalent d'un quart de pouce d'isolation. Ah, fait que c'est pour des températures plus chaudes, là. C'est moins froid. Ah. C'est ça, oui, hein? Mais c'est pour ça que, tu sais... Juste ralentir un petit peu, vu que je suis de reculant. Ça serait comme parfait pour ceux qui sont plus costauds. Oui, ah oui. C'est vrai? Les Dolly Parton, ça. Ouais, c'est ça. Mais celle-là est belle. Ouais. Parfois, on va aller jusqu'au coin, puis après ça, on va revenir chez moi. On va peut-être avoir le temps d'en faire encore un autre. Mais c'est sûr, avec de la neige puis du soleil, ça aurait été idéal. Pire des pires, on leur croit. C'est ça, ben oui. Moi, je suis patiente. Peut-être même plus en ville, comme si, mettons, on va à Donnacona, peut-être au mois de décembre, janvier, là. Ouais. C'est ça. Puis je vais vous faire une copie de ça aussi. OK. Ouais, le ciel était capoté.
Oui, hein? Là, ça te fait aussi des photos que j'aimerais, mais pas les fils, là. Mais sur le bord de la, du fleuve, ça sera beau, là, avec l'eau, là, ou glacé, là. Ah oui? Puis les bateaux qui passent, ils sont quand même loin, les bateaux, mais c'est pas grave. C'est beau pareil. Ça ferait des très belles photos. Oui, hein? Ça tient. Oui, les deux couleurs, là. Ouais, ça me tient, mais mes pantalons, ils tiennent l'élastique dans le dos parce qu'ils tiennent vraiment. Je verrais mes bas gris en dessous. C'est ça? Non, avec ce mode-là, ce mode nocturne-là, c'est parfait. C'est en masse lumineux. J'aurais pensé que ça aurait été trop sombre. Mais ça va donner de très beaux résultats. Est-ce que tu as des associés? Non, je suis tout seul. Je suis tout seul pour faire ça. Ah oui? Ouais. J'en ai déjà parlé à quelques-uns de mes amis, là, mais ils m'ont pas donné suite. Le vêtement, c'est pas leur. C'est pas leur domaine, ben. C'est ça. C'est comme la bouffe, le restaurant, c'est bon. C'est ça. Ça fait partie des besoins élémentaires, hein? C'est ça. C'est sûr que c'est bon en quelque part. Surtout si c'est pour les femmes. C'est ça. Les femmes achètent pas mal plus que les hommes. Moi, j'ai mon beau-frère qui s'est construit. OK. On peut rentrer par chez moi. Le vêtement d'homme. OK. La boutique prenne. Puis moi, j'ai dit, tu vas faire faillite. Ah oui? Juste pour hommes, tu vas faire faillite parce que les hommes n'aiment pas magasiner premièrement. Puis... Le volume de vente n'est pas assez. Ben non. C'est pas assez pour faire. C'est pas assez pour faire une boutique spécialisée là-dedans. Ah, c'est sûr que non. Mais ils voulaient l'essayer. Moi, j'ai dit non. Ça ne marchera pas. Tu sais, les couleurs sont vraiment belles, ça fit ensemble. Oui, hein? Beige avec des couleurs sobres. Ça, ma mère, là, elle aime aussi. Ah oui? Ma mère, c'est une belle. Elle est plus petite. OK. Plus grossette un peu, mais ça serait un maudit beau mannequin. OK. Elle pourrait porter jusqu'à du 10 ou du 12? 10-12. Ah oui? Et elle a tout son régime en plus. À 72, par exemple. Ah oui? Mais puis elle donnerait 20 moins que ça. Vous y en parlerez si vous êtes intéressé à avoir une pièce comme ça faite au Québec, là? Oui. Là, en même temps, toi, tu peux nous vendre ça, là? Ah oui. Les filles, ils vont. Ah oui, je peux vous en vendre ça, il n'y a aucun problème. Ben oui, c'est ça, tu fais ça aussi pour. Tu sais, je veux dire, plus tu vas avoir des filles qui vont venir voir ton stock, c'est ça qui est l'avantage aussi. Ben c'est ça. Puis vous avez vu en plus la publicité que j'ai faite dans le journal? Ça, c'est des vieux descentes, mais moi, mon nouveau nom, c'est Vêtements Rimouski. Ça s'appelle Rimouski. OK. Oui, mais ça, c'était des anciens descentes qu'il y avait dans le temps. Mais là, tu dois avoir des spéciaux. Ben oui, ben, j'essaie de liquider le plus possible. Là, présentement, j'ai vendu à 90$. OK. Oui, j'ai vendu à 90$ pour faire de la place pour mon nouveau stock qui s'en vient. OK. Oui. Ben, ça a de l'allure, là. Ben oui. Parce que là, j'ai hâte de faire de la place parce que mon sous-sol, il est pratiquement plein, là. Oh, mon Dieu. Donc, c'est de l'argent qui dort aussi. Puis... Ah oui. Tout cet argent-là qui dort, que je vends pas, ça ne rapporte pas. Hein? Okay. Je t'ai mêlé. Il y en a qui ont commencé des décorations. Ouais. Vous n'aurez pas de problème pour retourner chez vous? Non. Non, hein? C'est facile. Vous sortez par ici, puis par là, puis vous avez la rue Notre-Dame. C'est ça. Par là, puis là-bas, à gauche. À gauche. C'est ça. Puis là, vous avez le boulevard principal avec le dépanneur. Moi. Tu sais, la pêche au poisson des chenaux. Oui. C'est là que j'ai
Là, après ça, il suffit de descendre la Grande Côte, puis là, vous allez voir la 40. Oui. Non, mais c'est pour la première fois que je viens ici. Parce que c'est la rue, là, que j'ai traversée. OK, c'est plus la rue ici que vous avez de la misère. OK. Parce que je suis venue la semaine passée dans le coin. OK. Je dirais, là, où est-ce qu'il y a la petite cabane là-bas, là. Oh, oui, oui. Ouais, c'est ça. Hein, je suis surpris, c'est la première fois que je filme en noirceur avec ma caméra. Je suis surpris de la... Ouais, je suis surpris de la performance. L'image est très claire. Oui, hein? Ben, on se sent plus... plus filiforme, comme, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça amincit. Une pièce comme ça, ça amincit, ouais. Mais c'est toi qui fais les modèles? Oui. Ah oui, c'est moi, puis j'ai même pas étudié là-dedans, c'est ça le pire. Ah oui? J'ai même pas étudié là-dedans. Il existe des logiciels spécialisés, des logiciels de patron. C'est des logiciels qui sont spécialisés pour les vêtements. OK. Et puis... Ben, j'ai des belles coupes, puis... C'est ça. Puis je donne ça à mon fabricant à Montréal, puis lui, il reproduit. Lui, je donne les tissus, lui, il me trouve les fermetures à clag, il me trouve les élastiques, il me trouve tout ça. C'est malade. Ouais, mais c'est beaucoup de travail. Ça doit. Ah oui, ça, c'est beaucoup de travail. Il passe presque, c'est presque 4-5 heures par costume. Puis il y a plusieurs couturières, là. Ah oui. Puis les marges de profit sont pas si grandes que ça. Lui, il me charge, mettons, 110, à peu près 100$, 110$ chaque pour les faire. Puis lui, ça y coûte peut-être 90. Ça écoute 90, donc il fait pas beaucoup de profit, ça, c'est sûr. Non. Non. Bon, on va rentrer. D'après moi, on aurait peut-être le temps d'en faire un autre. J'ai oublié mes lunettes. OK.